instruction et est capable de parler. Alors, ils vont quand même nous faire un historique de ce qui s'est passé. Dans le commencement, c'était sous sa nouvelle qui s'est alloué à réduire à l'erreur dans le terrain. C'était en 2001. Et plusieurs associations qui bénéficient, y compris pour le speaking union, Hindi speaking union, Rufus, Tamil, Cultural Center Trust, et aussi Indo-Mauritian Catholic Association. Et 2005 à 2014, parce qu'il n'y a aucun développement, et vous êtes là aussi qui, le gouvernement d'alors, pas fini de aucun soutien aussi pour ne pas avoir un développement dans ce matériel-là. Et en mars 2023, le final de l'exercice pour le film régler planification de réduire Prior Dog. Pour le film regroupe par activité, en catégorie, en secteur. Par exemple, secteur médical, c'était éducatif. Et c'est comme ça qu'il nous répond à la terre, mais nous dire qu'il, bien sûr, nous pouvons faire une alternative. Et on bien rappelle qu'il me dit gagner une rencontre avec les quatre associations, bien sûr, avec un collègue aussi. Et pour tout ce qui est pour nous autres, de qui nous peut faire, et surtout dans les raisons qui font nous prendre cette décision-là. Et mon deuxième programme, moi personnellement, dans la discussion avec les deux présentants des quatre associations qui passent très bien. Et je veux dire qu'il y a une option d'intérêt à la vigie, et par la suite, bon, aussi dans le terrain d'ici, à Kodo, et nous la discussion, quand nous faisons le plan, et vous allez dire, tant que nous rappelons, nous retiens lundi, dans le petit juin, pour le terrain de Coldo, et ça à l'époque-là, le Parlement s'est précisé, donc on va discuter dans le Parlement. Et nous tous une zone d'accord pour le terrain de Coldo. On va aller rentrer dans le détail, pas le moment où on rentre dans les autres détails, mais nous tous d'accord du terrain de Coldo. Et selon nous dire nos collègues ministres Abina Filet, je vais tout dans nous. Représentant de l'organisation, vient faire une site visite ici, à Côte d'Or, laisse tout le terrain physiquement pour m'y aider, et les larges de demain des réponse finale. Vous pouvez dire, le team gagne un accord avec toute l'organisation, dans le team fini visiter, et je suis dit oui. Et vous pouvez dire, le team château avec surtout, les représentants de Rochester Family Cultural Center Trust, de Urdu Speaking Union, de Hindi Speaking Union, qui tous les temps, font collaborer, font toujours positif. Et si à tout, vous voyez, quand elle a commencé à dire, donnez-moi, quand moi, vous donnez parole, vous respectez vos paroles. Quand vous prenez l'engagement, quand vous prenez l'engagement, vous respectez vos engagements. Et quand vous trouvez un représentant qui l'a, qui utilise votre parole, je viens respecter votre parole. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous sommes ici. Mais tout le monde va pareil. Alors, finalement, le site de Codo qui finit retenir. Et vous tenez à remercier aussi l'ESCOP,
parce qu'il quand même, parti dans le plan initial, et l'UNESCO qui vient collaborer, qui fait tout ce qu'il disait pour aider la communauté. Alors, laisse-moi vous dire quelque chose aujourd'hui qui pour bien sûr pour en répondre, mais le temps et l'avenir pour montrer si ce que vous pouvez dire là, c'est pas moi la raison ou pas. Sa région là, qui désigne un grand palais, la terre ici, dans le Côte d'Or, ce nom même de la Côte d'Or, mais les réflecter, c'est de l'or. Ici. Et on félicite les trois organisations qui ont accepté pour établir ce siège ici même, parce que c'est à l'endroit-là pour appeler à Côte grand développement et pour lui donner une place bien bien moderne à l'avenir. Déjà actuellement, de ta proximité, pourquoi faire une publicité pour personne, mais nous pensons que c'est le plus grand shopping mall qui est là, Ribeca qui l'amène là à côté. Et dans la rue, mon segment résidentiel, les plaines de l'héritage, Auréa, Irénia, et dans un bijou qui va loin d'ici, le complexe sportif de Coton, et dans le Dala technologiquement, aussi qui est à côté, et un grand développement à venir, où il y a un centre médical d'excellence qui peut être développé ici même à Porto. Pour pas y aller dans le détail, pour la on l'a préposé, mais encore plus dans nos visions, dans nos programmes. Là, vous avez fini des accords de programme pour les 5 ans à venir. Pour la plus grand développement que Maurice vous connaît, le République vous connaît, on a le Administrative City ici même à Porto. Alors, évidemment, tout ça va développement là, qui veut dire développement de l'infrastructure moderne, telle que la route, le Hermitage Bypass, et puis là aussi, ce que nous les avons annoncé, et nous allons le faire vite dans le prochain temps là, c'est le métro à l'histoire de qui passe ici même vers l'est de le pays.